Hey Jim, hey Jim. How do you spend in New York, Jim? Hey, I got cocaine running around my brain. Putain, yeah. Combien de fois j'ai dit Dieu dans deux minutes? Ça m'a jamais réellement intéressé de faire du rock. Enfin, il se trouve que historiquement, il y avait le punk qui venait d'arriver. C'est pour ça que je suis arrivé. Je savais jouer de rien, il manquait un chanteur. Et je savais pas chanter, mais j'avais les cheveux courts. Et puis j'étais punk, donc ils m'ont pris, quoi. Et ouais, donc j'ai fait de la musique comme ça. J'avais déjà des textes. Alors voilà, j'ai mis des notes dessus. La caméra sera où, je sache. Là. 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 On reprend. Parce que là, il y a des blancs et tu gages du mètre. Hein. J'étais un junkie à l'époque. Un million. Un million, 5 millions ou un peu plus d'argent dans chaque bras, quoi. Et à l'époque, je me foutais de tout. Love Supreme, a Love Supreme, Cochrane. Real World Chat. J'aurais voulu être vous. Je suis né punk. Tu vois, c'est en 73 que j'ai appris que j'étais punk. J'ai lu un article de Patrick Edlin. Il y avait le mot punk en parlant de Billy Cochran. Et là, j'ai appris que j'étais punk. J'ai toujours été un punk. C'est ma vie. Je suis un punk rocker. Je suis un rocker. Je suis un rocker. Je suis un rocker. Hey, je suis un garçon sauvage. Je ne trouve rien du tout. J'ai de sperme, quoi. Pour les textes de chansons. Pour toute la vie. Pour toute la vie. La façon de vivre. Il faut que ce soit comme ça. Mais si tu fais comme ça, tu tiens pas longtemps. Alors j'essaye de déménager le truc. Il paraît que c'est une musique de voyous d'adolescent, je suppose. Mais comme c'est pas du rock, c'est pas. Quelquefois je pense à Pierre, qui était mon frère. Pierre, où es-tu maintenant? Dis-moi, en quelle sphère? Pierre, mon frère, pour tes 20 ans, tu as choisi où?